C'était très dur, mais vraiment très dur. Donc pour sauver le temps que vous risquez de perdre à cause de cette série, cette vidéo sera donc faite pour vous. Salut à tous, c'est Vince, alias AmirGame, et aujourd'hui, je suis très énervé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon capture clap consacré à REC 3. Eh bien, je crois qu'on n'est pas loin. Car oui, Réalité Z, une nouvelle série Netflix, cette fois-ci brésilienne, m'a énervé. Bon, déjà l'affiche en dit beaucoup, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est à chier. Et cette série ne propose donc pas de VF et je pense que c'est la raison pour laquelle celle-ci n'a pas bénéficié de plus de publicité que ça, notamment en France. Et au final, même les versions anglophones de Netflix ont fait l'impasse sur la campagne publicitaire de cette série. Et croyez-moi, c'est pas un mal. Alors franchement, j'espère vraiment pas me faire défoncer de la même manière que Into the Night, sachant que je ne connaissais absolument pas la vie des autres. Mais franchement, mais s'il y a des gens qui m'insultent juste parce que je n'ai pas aimé cette merde, allez, je le dis, cette merde, mais je perds foi en l'humanité. Mais la différence entre ça et Into the Night est tout simplement le fait que ce dernier possédait un concept beaucoup plus intéressant. Un peu de contexte avant tout, sachez que je n'en peux plus des zombies. Voilà, tout ce qui touche aux zombies, je vomis des zombies. Il y a eu la grande vague des zombies, notamment encore plus mise en avant grâce à la série The Walking Dead, série à laquelle j'étais extrêmement fan au début, mais dont j'ai fini par lâcher l'affaire vers la fin tellement que je n'en pouvais plus. C'était beaucoup trop long et on traînait vraiment en longueur. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de The Walking Dead, mais plutôt de Reality Z. Donc le titre est un peu une sorte de caricature de ce que va raconter la série, c'est-à-dire que Reality pour télé-réalité et Z évidemment pour zombies. Car oui, l'histoire débute à Rio dans une télé-réalité, un concept porté sur l'Olympe, une apocalypse zombie arrive pour foutre le bordel dans toute la ville, et les protagonistes dans la télé-réalité n'auront absolument aucune idée de ce qui se passe dehors. Et il faudra attendre les deux premiers épisodes pour qu'ils prennent conscience de ce qu'il se passe. Ainsi va en suivre tous les événements qu'on peut retrouver dans tous les films de zombies. Ils vont devoir survivre, collaborer entre eux, etc. Donc là, les plus mordus de pop culture consacrés aux zombies vont tous me dire « Attends, mais ça ressemble pas un petit peu à Dead Set ?» Dead Set est une série anglaise sortie en 2008 avec exactement le même concept. Des gens coincés dans une télé-réalité alors que d'apocalypse zombie se déroule à l'extérieur. Donc non, ça ne ressemble pas à Dead Set, ça ressemble à GoGo à Dead Set. Ils ont copié, pompé, plagié le concept à bloc. C'est presque à la limite du scandale. Et ce que j'appelle un remake non assumé, car évidemment le titre sera complètement différent. On retrouve le même type de personnage caricatural, comme je le disais, exactement le même concept avec la même structure narrative. Les personnages qui ressemblent aux originaux meurent au même moment, c'est insupportable. Et si seulement, comme toute bonne série ne proposant pas un scénario qualitatif, faisait l'effort au moins de nous donner des personnages plus intéressants, mais ce n'est pas le cas. Les personnages sont inintéressants à en crever, franchement, mais n'importe qui pouvait mourir, je m'en foutais, mais complètement. C'était vraiment le OSF sur 20. De plus, cette œuvre à part entière ne parvient même pas à se rattraper sur, je ne sais pas, la réelle par exemple. La réelle est inexistante, enfin, déjà, on sent très clairement le côté débutant du réel. C'est bourré de fautes d'amateurs, de faux raccords à tout va. La caméra épaule qui bouge sans arrêt, même dans les moments plus posés. Tu ne comprends rien à ce qui se passe dans les scènes d'action. Et je pense que c'est une technique un petit peu bidon qui a été posée là de manière à nous cacher les défauts. Là, c'est sûr qu'on risque bien de rater les défauts. Est-ce que je peux mentionner aussi le fait que la série parfois tombe si bas qu'elle se sent obligée d'atteindre le stade du pipi caca? Cette scène résume parfaitement bien le reste. Alors certes, les acteurs font quand même de leur mieux, ils font ce qu'ils peuvent avec les dialogues qu'on leur donne, et malgré le fait que tout soit vraiment mal dirigé, je trouve que les acteurs s'en sortent vraiment bien. Enfin, disons que ce n'est clairement pas le pire qu'il y a dans cette série, comme par exemple le montage. Est-ce que parmi les techniciens, il y avait vraiment un chef opérateur? Est-ce que le réalisateur était au courant au moins que quand on veut faire un ralenti fluide, il suffit simplement de monter le nombre d'FPS dans une vidéo, enfin, on est d'accord pour dire que c'est la base. Pourtant, la série surcharge d'effets de ralenti saccadés dégueulasses. Putain, mais en plus, c'est même pas qu'une fois, c'est tout le temps. Oh là là, pfiou.
Côté effets spéciaux, il faudrait vraiment qu'on m'explique ce délire autour du cliché de montrer, de présenter une ville enflammée dans une apocalypse zombie. Qu'est-ce qui se passe dans une apocalypse zombie pour enflammer autant une ville à ce point? Genre les zombies ont des lance-flammes? Toutes les personnes vivantes qui se font mordre lâchent une grenade? Aucun sens! C'est une chose que j'avais déjà fait remarquer dans ma vidéo sur Resident Evil Retribution, sauf que là c'est encore pire puisque le film se déroule 10 ans après l'apocalypse. Tandis que Reality Z se déroule en temps réel. Mais attendez, je n'ai pas fini. L'image est dégueulasse. L'image n'a absolument aucune grâce. Les couleurs sont salement saturées, c'est contrasté à mort. Donc compenser ça entre la réelle inexistante et le cadrage bordélique, lors de certaines scènes d'action, tu ne comprends vraiment, mais vraiment rien à ce qui se passe. Et au niveau du maquillage des zombies, bah ce n'est pas très compliqué. Tu prends un seau de faux sang, tu le balances sur la figure des figurants, et voilà. Et pour combler le tout, je pense que ce que je vais vous dire ici est clairement le pire défaut de cette série. La musique est un bordel sans nom. Un espèce de mélange de plusieurs genres sans absolument aucun style. Une espèce de bouillasse d'hybride, de techno, de classique. Et encore, je dis techno, mais la synthé est absolument dégueulasse. Oh putain. Sans déconner. Mais c'est long en plus. C'est pas moins de 10 épisodes de 30 minutes. Et les 30 minutes en font parfois le double dans ma tête. Et certains épisodes ne servent tellement à rien que l'histoire avance extrêmement lentement. Enfin, il n'y a même pas d'histoire. C'est du survival inintéressant. Et encore, je dis ça, mais un film de zombies bien dynamique, que j'adore, tel L'Armée des Morts de Zack Snyder. Ce film n'a pas d'histoire, mais propose une réale de dingue, une musique de dingue. Tu sens que le temps est vraiment imparti. Tandis qu'ici, j'ai surtout senti que je me suis fait chier. Et apparemment, ça se veut nanar marrant. Sauf que c'est pas marrant. Alors, sauf si les blagues pipi caca vous font encore rire. Allez, vous mourrez avec nous. Ah, la blague des proutes, c'est rigolo, non? Eh ben non, c'est pas drôle. Bref, inutile le fait d'ajouter que je ne vous conseille absolument pas cette série. Ne regardez surtout pas cette série. Hein. À la limite, recommencez The Walking Dead, ou encore regardez Dead Set. Mais ne perdez surtout pas votre temps avec Reality Z. Mais si certains survivants ont réussi à regarder cette série jusqu'au bout, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, si vous avez aimé cette série, posez vos arguments dans les commentaires, je suis ouvert à tout. Mais en attendant, je retourne me pendre et je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.